Mélanie. Mélanie, petite sœur en Jésus-Christ, rencontrée en Helvétie lors d'une mission à Berne. Mélanie, Mélanie, un sourire sur la vie, un regard en harmonie, d'une paix douce et sereine. Et nous qui passions par là, nous ne savions même pas que désormais Mélanie ferait partie de la famille. Quand nous allions dans les villes pour y chanter l'évangile, on la voyait arriver avec ses mille et un paquets. Mélanie, Mélanie, mais pour qui tous ces colis? C'est pour les handicapés dont tu nous avais parlé. Mélanie, Mélanie, y en a trop, c'est de la folie. Mais elle de répliquer, pour eux, c'est jamais assez. C'était bien quoi qu'on en dise, notre Françoise d'Assise, car tout le monde savait son vœu de vivre en pauvreté. Elle touchait bien un salaire trop éphémère, car Mélanie ne pouvait que donner tout ce qu'elle avait. Mélanie, Mélanie, que ce jour-là soit béni, où le Seigneur a permis que l'on se rencontre à Berne. Car depuis, Mélanie, quand tu le peux, tu nous suis sur les routes de la vie, là où le Seigneur nous mène. Je sais, tu n'es pas contente que j'écrive et que je chante ma petite mélodie qui porte ton nom si joli. Tu me dis, parle des autres, des martyrs et des apôtres. Ne crois-tu pas, Mélanie, que les médias le font aussi, tandis que les petits, les oubliés de la nuit, travaillent sans faire de bruit, priant que ton règne vienne, car leurs noms sont inscrits dans le grand livre de vie. Et je parie, Mélanie, qu'au jour du Seigneur lui-même, il te dira, toi que j'aime et qui fis tant pour mes frères, entre donc, vois ton nom dans la maison de mon père.